retrouve un peu plus tard. Il est bientôt 9h. Et voilà, je viens finir de déjeuner. J'ai regardé un petit peu de vidéos sur YouTube. Voilà, je vais vous emmener un petit peu avec moi ce matin. J'avais en projet d'aller acheter un petit banc, vous savez, pour mettre dans la salle de bain. Et donc j'aurais deux, trois petites choses à changer là-bas, dans la salle de bain. Et voilà ce que j'aurais à faire ce matin. Je vais faire un petit peu de sport là, parce que j'ai pas très très bien mangé cette semaine et que je voulais aller courir hier. Mais du coup le temps a tourné, donc j'ai pas pu aller courir. Voilà. On va faire petite séance de sport. Et ensuite, je vous emmène avec moi acheter le petit meuble. Bon, je vous retrouve en tenue de sport. Je vais faire ma petite séance. Je vais pas suivre de séance particulière. Je vais faire un peu comme j'ai envie, tout en regardant des petites vidéos YouTube. Et voilà, si vous demandez, ma tenue vient de chez Fabletics. Et franchement, elle est super bien celle-là. Donc voilà, c'est parti. Abdos en feu. Voilà, du coup ça vous donne un petit aperçu des exercices que je fais. Je veux pas des très très grosses séances, mais voilà, je me dis il faut mieux faire des petites séances plusieurs fois dans la semaine et s'y tenir que de te dire je vais faire des gros trucs et de pas les faire. Voilà, je bois mon petit jus d'orange. J'étais en train de regarder la vidéo de Léna et voilà, je vais aller à la douche. Et c'est parti. Bon, je sors de la douche, je me suis coiffée, je fais une petite mise en beauté. Mon chat qui fait du bruit comme d'habitude. Là, je vais du coup direction Castorama pour le petit meuble pour la salle de bain. Et je vous filme ma petite tenue du jour. J'ai mis mon petit pantalon beige comme ça qui vient de chez H&M. Des petites bottes. J'ai retrouvé un petit pull à perles que j'avais pas mis depuis très très longtemps. Mon perfecto et mon petit sac Pimkie. C'est vraiment pénible ici, la lumière elle vient du côté donc j'ai du mal à trouver un point, mais voilà. Je sors de Maison du Monde. J'ai trouvé plein de. Enfin, plein. J'ai trouvé deux petits trucs sympas. Je vous montre ça quand je rentre. Et en fait, je pense que je vais passer à Action avant d'aller chez Casto. Au cas où ils aient des petits tabourets. Voilà, voilà. Bon, je reviens de chez Action. J'ai pas trouvé le petit meuble pour la salle de bain. Mais j'ai trouvé plein de trucs trop cool. Je vous fais un petit retour de course dès que je rentre. Parce que j'ai des trucs super. Et un truc qu'il faut absolument que vous goûtiez chez Action, c'est l'eau comme ça, l'eau d'aloe vera. Oh, c'est trop bon, j'adore ça, j'en prends tout le temps. J'aime trop. Ah, je suis trop contente. J'ai fait un super achat chez Action, il faut que je vous montre ça. Donc là, je suis rentrée il y a peut-être 2 heures à peu près, 1h30, 2 heures. J'ai mangé et car mon chéri vient de repartir au boulot. Donc je vais en profiter du coup.
pour vous montrer mes petits achats de chez Action. J'ai tout regroupé là-dedans. Pour commencer, l'article qui me rend trop contente, c'est un petit trépied. Je vous mettrai une petite insertion. Et en fait, je suis déjà en train de filmer avec. C'est un tout petit trépied. Et en fait, du coup, là, ça me permet d'avoir un peu plus de recul quand je filme comme ça. C'est trop bien. Et donc voilà, en plus, il fait trépied. Donc par exemple, je peux le poser. Bon, là, je suis sur le canapé, donc ça va pas bien tenir, mais je pourrais le poser. Et ça tient très bien aussi. Et alors, attendez, je vais prendre mes petits tickets. Petite liste Action. Donc ce petit trépied, il a coûté 1,69€. Donc franchement, c'est pas cher si vous faites des petites vidéos ou même si voilà, pour le poser, regarder des vidéos, des séries sur votre téléphone. Franchement, ça vaut grave le coup. Regardez qui est là. C'est mon bébé. Mon petit bébé Aria. Voilà, je vais essayer de le poser et je vais vous montrer la suite de ce que j'ai acheté. C'est bon, j'ai réussi à le caler. Alors, bon, j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai trouvé un chargeur pour iPad, enfin iPhone, iPad. Parce que donc, je me suis acheté un iPad récemment et en fait, la prise, l'embout n'était pas bon. Donc, j'ai trouvé ce petit chargeur qui a dû coûter 8,95€. Voilà. Donc, petit câble pour le téléphone. J'ai trouvé un petit kit pour manucure. Donc vous voyez, une petite ponceuse comme ça pour les ongles. Trop trop bien. Ça a coûté 1,95€. C'est vraiment pas cher. J'ai trop hâte de tester ça. Je vous montrerai, je vous dirai si ça marche bien. Bon, ensuite, ça, c'est une petite barre vegan qui sont très très bonnes. Bon, voilà, pas très intéressant. J'ai ça, et ben voilà. Et après, j'ai trouvé cette petite trousse, cette grosse trousse, un peu effet lin comme ça. Et puis là, donc il y a des petits maquillages en dessin. Donc voilà, j'ai trouvé sympa. Elle est grande pour ranger des choses. Et cette trousse a coûté 1,11€. Voilà. Donc ça, c'était mes achats de chez Action. Et ensuite, j'ai fait des achats à Maison du Monde. J'ai trouvé... Alors, s'il me restait un peu de sous sur une carte cadeau, j'ai trouvé un porte-bougie comme ça. Vous savez, pour mettre une toute petite bougie là, en bois. J'ai trouvé trop joli, il coûtait 4,99€ et j'adore, c'est trop beau pour en décoration. Super sympa, j'ai trouvé. Et ensuite, j'ai pris un mug magnifique et hyper gros, j'adore. Il est comme ça. Trop trop joli. J'adore le dessin et celui-là, il coûte 6,99€. Et il est vraiment très très grand, ouais, je peux mettre ma main dedans, il est énorme. Voilà pour mes petits achats. Sinon, je sais plus si je vous l'ai dit, mais donc je suis bien allée à Castorama pour récupérer le petit meuble de la salle de bain. Il est encore dans la voiture là, donc je vais aller le récupérer et puis on va commencer à le monter. C'est parti. Bon, je vous ai inséré là. Je vais chercher le meuble puis je vais le monter. Et voilà ce que ça donne, monter. Bon, j'ai mis vraiment pas longtemps, hein. J'ai dû mettre 10 minutes à le monter. Il est comme ça. Et
Voilà. Du coup, je vais aller vous montrer la salle de bain, le petit projet en fait que j'ai à faire. Alors, coup, je suis désolée, la luminosité ne sera pas super dans la salle de bain, mais il n'y a pas de vraie de lumière extérieure. Du coup, donc là, on a un petit meuble comme ça, en bambou. Le porte-serviette et ensuite par terre, j'avais un petit fauteuil où on posait quelques trucs et la panière de linge. Je vais essayer de prendre du recul. Mais voilà ce que ça donne actuellement. Et en fait, j'ai vu sur Pinterest des inspirations où il y avait des petits bancs. Et comme il y a sa serviette, je me disais, bah, je peux pas en mettre. Et j'ai vu du coup des bancs devant le sèche-serviette. Et en fait, c'est vrai que ça rendait super bien. Comme on le met jamais en route, c'est pas gênant, ça va pas chauffer. Et du coup, voilà, je pense que ça va être pas mal. Et comme vous avez vu, donc il est blanc et bois. Et pareil, j'ai vu des meubles comme ça, où le bord, donc là, les côtés là sont en bois et les tablettes blanches. Donc je vais peut-être aussi les repeindre avec toutes mes histoires. Mais bon, déjà, je vais faire de la place là-bas et on va voir ce que ça donne avec le tabouret. Et au pire, s'il est trop gros, je pourrais le mettre à l'entrée. Alors, je viens d'installer le petit meuble dans la salle de bain et j'ai repeint je vous montrerai le bord d'une tablette en fait qui était un peu sale, on va dire un peu vieillie. Donc j'attends que ça sèche et en attendant, je voulais bomber deux trois petits trucs en noir. J'ai une bombe de peinture noire que j'avais achetée chez Action et en gros, je voulais récupérer des bocaux comme ça en verre, vous savez où il y a les légumes. Et je voulais bomber le couvercle et après les réutiliser, mettre des jolies étiquettes et mettre, vous voyez, les pâtes, le riz, tout ça dedans. Je voulais bomber aussi ce flacon, donc c'est du gel hydroalcoolique, mais je trouve pas ça très joli dans l'entrée, vous voyez. Donc je me suis dit, peut-être le bomber en noir, ça sera plus sympa. J'ai aussi une corbeille à fruits, enfin voilà. Ou ce qu'on veut, hein, mais elle est dorée et je me demande pas si je l'avais pas déjà bombée. Ouais, à la base, elle était un peu rose gold et je l'avais déjà bombée en doré et là j'ai envie de la faire en noir. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, et le support à papier WC. Voilà. Il est pas joli, c'est un truc argenté. Donc je me suis dit que ça pouvait être plus sympa. Je réfléchis si j'ai pas d'autre chose à bomber, mais voilà, je vais aller faire ça. Je vais me mettre dehors et puis ça va être sympa. Je viens de passer un quart d'heure à chercher cette bombe de peinture noire, alors qu'en fait elle était juste bien rangée. Mais du coup, je l'ai pas. Du coup, j'ai cherché partout, je la trouvais pas, mais c'est bon, je l'ai. Mais du coup, ça m'a permis de trouver plusieurs trucs à bomber. Donc j'ai un peu plus de trucs à faire. Voilà. Bon, j'ai fini de bomber tous mes petits objets. Ils sont en train de sécher juste là derrière. Et je suis trop contente du résultat. Pendant que ça séchait, je me suis refait les ongles. Bon, ils sont coupés très très courts parce qu'ils étaient hyper abîmés. Donc j'ai refait du semis. J'ai tous mes petits produits. Mais comme ça, je pense que ça les aidera à pousser parce que là, c'était pas possible. Avec mon travail, ils arrêtaient pas de se casser tout le temps. Donc voilà, petit semis, les produits ont fini bientôt de sécher et on va continuer de ranger la salle de bain parce que bon, après il y aura un peu moins de lumière, là vous voyez le soleil commence à descendre. Donc voilà. Et voilà le résultat du coup de ma salle de bain après. Donc vous voyez, j'ai posé le petit meuble juste là. Je suis désolée, je peux tourner une machine à laver. Oui, voilà, c'est beaucoup mieux du coup. Je peux ranger mes petites serviettes ici. J'ai tout réorganisé. Là aussi, on a d'autres petites serviettes. Et là, du coup, mon porte-papier de toilette que j'ai bombé en noir. Il faudrait juste que je mette des rouleaux blancs, ce serait plus joli. J'ai rechangé là-dessus. Et voilà,
Puis là, j'ai accroché mon petit tableau avant qu'il était posé ici. Et voilà! Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié d'avoir passé cette petite journée avec moi depuis ce matin, voilà, par ces petites activités. J'ai adoré filmer et passer cette journée avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous savez qu'elle est toute récente, donc ça me soutiendrait, ça me donnerait beaucoup de courage pour la suite. N'hésitez pas aussi à partager sur les réseaux sociaux, à m'identifier sur Instagram par exemple. Je passerai vous faire un petit coucou avec grand plaisir. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me donner des idées, d'autres vidéos, de ce que vous aimeriez, des conseils, tout ça. Je suis ouverte à tout. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt.